Je suis donc là dans cette tribu des Iberlianon. Et alors les Touaregs sont des petits nomades, mais quand même des nomades, ça veut dire que c'est entre autres un habitat dispersé. Hein. Il y a donc ces campements qui sont un ensemble de quelques tentes, groupées autour d'un vieil homme, enfin bon. Et puis le campement le plus proche, il est plus loin pour marcher. Bon. Ça veut dire que ça, c'est un peu la particularité du terrain dans ce genre de société. Il faut faire... Je faisais la conquête des campements les uns après les autres. Enfin, c'est bon, aller doucement. Bon. Il y a quand même, bon, il y a des familles avec qui je suis devenu plus familier qu'avec d'autres. Alors, il y a d'abord Moussa, qui était mon guide, bon, qui n'est pas toujours resté là, mais qui était un peu mon introducteur. Les forgerons en général s'installent. Bon, c'est des familles isolées pour le coup. C'est pas, il n'y a pas de campement de forgerons. C'est une famille nucléaire isolée. Ça s'installe en général à côté d'une famille d'éleveurs. Bon. Ce qui était le cas. Donc oui, puisque au tout départ, quand je suis parti donc chez les Iberdianan, j'étais avec ma tante canadienne et avec Moussa et peut-être son petit frère. Et c'est après, oui, c'est après que sa mère est venue à réinstaller, a décidé de se réinstaller dans la brousse. Et elle s'est installée à côté du campement de la première famille Iberdianan que j'ai connue, enfin, de Tchibda, dans ce jeune homme, enfin, dans le jardin irrigué de qui je travaillais. Et alors, les forgerons ne sont pas contraints à la mobilité. En général, ils vivent du travail de leur forge. Ils ont éventuellement quelques bêtes, mais très peu. Et par contre, les éleveurs, bon, il faut de temps en temps qu'ils se déplacent quand les pâturages s'épuisent alentour. Bon, ils doivent se déplacer. Et je me souviens qu'il est venu au moment où le campement de Tchibda enfin, a décidé de se déplacer. Bon. Ils vont s'installer un peu plus loin, quelques kilomètres. Bon. Et ça, je me souviens encore. Donc, on se retrouve seul dans notre tente, hein, la Moussa. Sa mère s'appelait Joua. Et je me souviens que sa mère a dit, donc on se retrouve là. Ah, c'est un mot important. Ah, je ne peux pas rester dans cette solitude. Et on a décidé de déménager nous aussi. On s'est installé près d'un autre campement. Alors, le mot que je traduis ici par solitude, qui se trouve être... Je ne sais pas si je le savais, si j'en avais conscience à l'époque, mais bon, j'ai eu beaucoup à réfléchir depuis. Dessus, c'est « osof ». C'est le maître mot de la poésie. Le narrateur, dans la région, c'est des hommes hein, qui composent les poèmes. À l'époque, en tout cas. Bon, il y a maintenant, je sais qu'il y a des femmes qui composent des poèmes, mais ce sont des femmes qui ont été à l'école. Bon, c'est un phénomène nouveau par rapport à ce qui existait à l'époque. Mais le narrateur de la poésie chante sa solitude. Et ce mot est intéressant. Alors, il a toutes les connotations du mot solitude en français. Enfin, c'est le fait d'être dans un endroit où on est isolé. C'est aussi le fait de se sentir seul. Et ça peut aussi désigner un endroit, hein, déserté. Bon, quand... Baudelaire parle des grands sphinx allongés au fond des solitudes. La solitude, ce n'est pas un sentiment, c'est un lieu. Bon. Alors, il y a le mot, c'est deux sens. Comme en français, il en a un troisième que le français n'a pas. C'est, ça représente la douleur de l'absence qu'on éprouve à l'absence de quelqu'un qu'on aime bien. Ou de gens qu'on aime bien. Du coup, dans les traductions de poèmes, et c'est un peu dommage, on peut pas, alors que c'est un mot important, on peut pas toujours le traduire par le même mot français. On est obligé de gloser un peu. Bon.
Et c'est bien plus tard, c'est même récemment, enfin, que je me suis aperçu que l'espagnol soledad, c'est intéressant, l'espagnol soledad a bien les trois connotations. C'est-à-dire que soledad, ça peut être un lieu. Bon. Du coup, ça m'a amené, c'est un de mes articles récents, à réfléchir sur bon, l'histoire du mot soledad et l'histoire d'un mot qui lui est peut-être lié étymologiquement, qui est portugais, qui est saudade. Alors, saudade, c'est intéressant parce que saudade, par contre, n'a plus que le sens, le troisième des sens de Assouf en touareg. Bon, et ça m'a paru amusant de réfléchir sur cette chose-là, mais de voir que là aussi, on n'est pas dans un univers poétique étranger au nôtre. Et c'est vrai que quand j'ai eu, alors quand plus tard je me suis mis à traduire les poèmes touareg, j'ai goûté le fait que, bon, même si le cadre était différent, ben bon, ces gens nous étaient proches. Bon, alors qu'il y a j'ai des collègues à moi qui travaillent dans des sociétés plus lointaines, André Itéanu, par exemple, qui travaille chez des Mélanésiens, ou des amis à moi qui travaillent chez des sociétés plus au sud en Afrique, ces poèmes amoureux, comme il y en a chez les Touaregs, où un homme s'afflige de la cruauté de sa femme aimée et gémit sur sa solitude, c'est pas pensable. Ça, je me souviens que Michael Ousmane, qui est un collègue qui a travaillé au Cameroun, m'avait dit, mais ça, les gens éclateraient de rire en entendant enfin des poèmes du style de ceux des Touaregs. Les Touaregs, non, il y avait, c'est-à-dire que bon, il y a... Et ça, même avant que je décide que j'allais aussi faire un travail universitaire sur les poèmes, que j'allais vraiment les transcrire, les traduire, les publier, ça a été une joie constante de travailler sur la poésie. D'abord, auditivement, il y a une manière de la psalmodier. Bon, c'est quelque chose d'agréable à entendre et de se réciter dans sa tête. Enfin, et d'ailleurs, bon, j'ai recueilli la plupart des poèmes que j'ai recueillis, je les ai pris sous la dictée. Bon, il y en a quelques-uns et c'est dont j'ai eu des enregistrements au tout début de mon séjour. Oui, quelqu'un, un intellectuel touareg qui vivait à Gadès, qui était responsable de des émissions en langue touareg de la radio nigérienne, m'avait fait cadeau d'un enregistrement d'un grand poète, Korman, et m'a dit, ben, tu en fais ce que tu veux, hein, travaille avec, fais ce que tu veux. Bon. Donc, et j'écoutais ces poèmes, et c'est plus tard que j'ai décidé cela, alors là, de les publier, c'était un très grand poète. Bon, donc le recueil que j'ai plus tard publié, bien après ma thèse, que j'ai co-signé avec Moussa, c'est, alors il y a des chants de mariage, et ceux qui chantent au mariage, ce sont les forgerons, que là j'ai pris sous la dictée de la famille de Moussa, bon alors là très volontiers ils m'ont dicté tout ce que je voulais, ils ont volontiers travaillé avec moi, ça les intéressait eux aussi le travail que je faisais. Bon. Et comme poésie, proprement dite, ça a été les poèmes de Kurman. Bon, ça a été alors là toute une aventure de traduire Kurman, mais c'est venu plus tard. Mais si j'en reviens à cette époque-là, où je recueillais ce que j'avais, des poèmes, des contes aussi. J'ai commencé très tôt à recueillir des contes. Là, c'est beaucoup plus facile. J'ai quand même... Surtout que la prose des contes est assez hiératique. C'était au fond peut-être plus facile, même si c'est une belle langue déjà, la prose. C'est pas une langue simple, mais c'est plus facile de transcrire des contes que... de comprendre les gens quand on parle avec eux. Il y a quelque chose d'un peu figé dans les contes. Bon. Les contes aussi, il y en a quelques-uns de très beaux. Et ça ne posait pas de problème. Ça, c'est une interaction qui ne posait pas de problème de recueillir des contes ou des poèmes. Il y a toujours des gens qui volontiers venaient dicter des poèmes devant moi ou que venaient dire « Tu veux enregistrer un conte ? Enregistre. » Bon, ça, il n'y a pas de problème. Donc c'était... Parmi les interactions auxquelles je me livrais, ça ne me posait pas de problème. Puis l'avantage pour moi, c'est que ça me donnait un statut. C'est le monsieur qui recueille ces objets verbaux particuliers que sont les contes et les poèmes. Parce que pour le reste, c'était un peu plus flou probablement à leurs yeux ce que je faisais. Bon, ils avaient enregistré que je recueillais. Je savais quel était, j'avais appris quand même quel était le mot pour dire coutume. Le radat, qui est un mot d'origine arabe, radat, ada.
recueille les coutumes. Donc ça va, c'était un peu flou peut-être quand même. Surtout que certains me disaient, mais pourquoi tu viens recueillir les coutumes chez nous, hein? Qu'est-ce qu'on est, des pauvres gens, nous, on n'est pas intéressants, qu'est-ce que tu viens faire? Je dis, ah, mais si, bon. Par contre, pour les poèmes et les contes, il n'y avait pas de problème. Ils ne disaient pas, nous sommes de pauvres gens, oui, tu veux, vas-y. Donc, j'avance. Et alors, il y avait toujours ce projet de recueillir des généalogies, voir ce qu'il en est des mariages. Il y a des gens qui me donnaient comme ça des éléments de géologie, mais ça n'avançait pas très vite et je sentais que bon. Et c'est au bout d'un an que, alors un personnage qui est peut-être mort maintenant, qui a joué un rôle important aussi, est venu me voir. Là, pour le coup, il est venu me voir. C'était un ancien esclave, Cablot. Et il est venu me voir en disant, écoute. Je sais que tu recueilles des généalogies. Alors comment ça s'est déçu? Parce qu'en principe, on le faisait discrètement. Je sais que tu recueilles des généalogies. Ces gens-là, ces Iberdianan, c'est des gens froids. Sans modnin, ils vont pas te les dire. Viens chez moi, je vais te donner tout ce que j'ai. Et je me souviens d'avoir passé donc un certain temps chez lui. Et vraiment, il me dictait. Et en plus, il était très paternel avec moi. Il était bon, bon. Lui, ça l'intéressait ce que je faisais dire. Tu veux recueillir, vas-y, je te donne, vas-y, c'est bien, fais un livre, c'est très bien. Et il m'a donné ça, il m'a donné un peu toute la généalogie des Iberdianan, la tribu des Iberdianan. Là, je me disais, là, je suis un vrai ethnologue, je recueille une vraie généalogie sur 5 générations de profondeur. Bon. Parce que, bon, tous les jours, on disait un tel, fils d'un tel, s'est marié avec un tel, c'est bon, je vais D'ailleurs, le matin, ça a pris un certain temps. Le matin, il me faisait réviser. Bon, alors qu'est-ce que je t'ai dit hier? Bon, et à un moment, souvent, on disait, bon, ben Mohamed, tu sais Mohamed dont je t'ai parlé. Ah oui, ce Mohamed, non, pas ce Mohamed-là. Enfin, écoute, bon. Donc, en tout cas, il a pris l'affaire en main. J'ai eu mes généalogies. Mais alors, d'abord, généalogie, il n'y avait rien de remarquable point de vue mariage. Non, c'est pas. Puis en plus. Ça faisait un moment quand même que j'étais là, que je parlais avec les gens, parce que c'est si intéressant, c'est foutu affaire de mariage. Bon, je veux dire, bon, ça fait de beaux livres, bien sûr, les structures, la matière de la parenthèse, c'est beau, mais bon, ce que je vais faire, bon. Et surtout que, alors là aussi, c'est à peu près. Oui, j'avais commencé à recueillir d'autres choses en lien avec le mariage, mais qui m'avaient paru beaucoup plus intéressantes. Et c'est que, bon. Les gens vivent dans des campements et un campement, c'est un ensemble de tentes. Alors une tente, c'est une famille nucléaire. Hein, c'est bon, le père, la mère, les enfants encore petits. Et je sais pas pourquoi, j'ai mis un certain temps, j'ai dit, au fait, elle appartient à qui la tente? Oui, en disant, mais à la femme. Ah bon? Ben oui, à la femme. Qu'est-ce qui se passe en cas de divorce? Ben, le mari, il se débrouille. Hein. Il voit. Il est dehors. Et c'est là que, quand jeune ethnologue, on l'a emprunté, on va dire, ouh là là, c'est énorme cette affaire. C'est énorme, et j'avais, parce que j'avais épluché la littérature sur les Touaregs, j'avais fait mon boulot, bon, je n'avais rien vu de tel. Je me dis, comment c'est passé au travers de tous les filtres, on n'a pas vu ça. Ça, bon, il faut que je regarde là. J'ai regardé, alors, et effectivement, c'est une assez belle affaire. Je veux dire, de temps en temps, la façon dont les sociétés fonctionnent, ça a une beauté. Je veux dire, en sociologue, on apprécie, mais là, oui, alors ce qui se passe, c'est que quand une femme marie sa fille, alors en principe, c'est pas une règle absolue, mais en principe, elle lui donne sa tante. C'est-à-dire que la fille aînée prend la tente de sa mère et la mère s'en fait refaire une autre. Ou au moins lui donne quelques éléments de sa tente. Puisqu'une tente, alors ce que j'appelle des tentes hein, dans cette région, ce n'est pas les tentes en peau auxquelles on pense qu'on parle des Touaregs ou de certains nomades sahariens. C'est des structures assez lourdes. Ce sont des tentes recouvertes de nattes de palmiers d'oumiers. Les femmes passent leur journée à tresser des nattes. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est que les nattes de palmiers, ce n'est pas les palmiers d'Altier, c'est un autre
palmier, le palmier d'Oumié, qui est une variété buissonnante. Donc on peut atteindre les palmes. On les coupe en lamelles. Ça fait donc des lamelles, là. Et les femmes passent leur temps, quand elles n'ont rien à faire, comme ici elles tricotent, à tresser des nattes. Alors ce qu'on trace d'abord, ce sont de longs rubans d'à peu près 10 cm de large. Et puis après ça, on les coupe bord à bord pour faire des nattes, hein, ou disons, ça s'enroule en spirale. Et ça, si, une chose que je regrette, c'est bon, d'être trop parti avec un peu des idées sur ce que doit être les logis, il faut recueillir des rituels, des ça. J'aurais dû passer mon temps à ne m'occuper que des choses qui intéressaient les gens. Quand j'ai commencé à demander aux femmes, mais au fait, comment vous tressez ? Comment ça marche ? Bon, il y a plusieurs modes de tressage qui ont des noms. Alors, j'étais entouré de femmes, tu veux qu'on te montre, tu veux qu'on t'apprenne ? Bon, on m'a donné des morceaux, du coup, j'ai pris, et c'est une des choses dont je suis content dans mon premier livre. Ça, au moins, c'est des choses bien concrètes. J'ai fait le dessin, il y a un système, des deux modes principaux de tressage des nattes, utilisés dans la région, il y en a d'autres ailleurs. Bon. Et ça, de me parler de ça, ça les intéressait. Donc ça fait des nattes. J'ai donc fait les dessins dans mon premier livre. Hein, D'ailleurs, de toute façon, de mon premier livre, j'en parlerai un peu, le livre que j'ai tiré de ma thèse. Il y a quelque chose qui a gardé, c'est les descriptions. Le reste, bon. Mais bon, ça c'est autre chose, j'y reviendrai. Mais ça au moins, les descriptions, c'est utilisable. D'ailleurs, je me souviens que bien plus tard, quand je suis revenu à Niamey, je ne sais pas très bien quand, peut-être en 1990, j'avais rencontré un jeune étudiant en linguistique, un jeune Touareg, il était étudiant en linguistique, il avait lu mon livre, et il m'avait dit, c'était assez gentil la manière dont il m'avait dit, alors je ne sais plus quelle était toute la tournure en Touareg, il m'a dit, oui, ton livre est bien Rachel Rewan, c'est-à-dire, enfin, le campement, ça veut dire, enfin, ce que tu dis du campement, ça veut dire, en gros, tes descriptions, j'aime bien, c'est tout. Et j'ai compris que ça voulait dire tes interprétations, t'en fais ce que t'en veux. Bon, ce qui est vrai. Même s'il y a peut-être des choses qui peuvent peut-être sauver des interprétations. Mais en tout cas, l'attente, j'arrive. Bon, je m'aperçois que l'attente, c'est une affaire importante. Quand une femme marie sa fille aînée, elle lui donne sa tante ou au moins une partie de sa tante. Donc, pour une femme, se marier, c'est entrer dans une tante. C'est acquérir une tante. Et d'ailleurs, quand un mari peut à l'occasion, je n'ai pas souvent entendu l'expression, mais on m'a dit qu'elle existait, parle de sa femme, il dit ma tante, tante T-E-N-T-E, Hanin. Bon. Alors pour les hommes, d'abord, quand ils commencent à être adolescents, 12-13 ans, ils ne restent plus dans la tente de leur mère. Bon, on ne reste pas dans la tente de papa-maman, on va... Bon. Alors, soit ils se font des petites huttes, comme ça en natte, où ils sont à quelques-uns, un peu à l'écart des campements, un peu à côté des campements, ils se débrouillent entre adolescents. Soit ils se font héberger de temps à autre par une cousine qui est momentanément libre dans sa tente parce qu'elle est divorcée. Bon. Parce qu'en cas de divorce, bien entendu, le mari est mis à la porte, mais la femme, elle garde sa tente. C'est-à-dire qu'une femme acquiert une tante au moment où elle se marie et elle la garde. Et quand elle meurt, on la replie. Et on la replie, éventuellement on utilise certains éléments, mais en général, la tante, on la replie. On n'en parle plus. Et donc un homme veuf, même si c'est un vieillard respecté, il se retrouve lui aussi sans tante, comme un jeune divorcé. J'ai comme ça vu des vieux, notamment mes informateurs, il y avait des fois des vieux, un peu comme un oiseau sur la branche, sous un petit abri, et par contre, les filles restent dans la tente de leur mère, soit jusqu'au mariage, il n'y a pas de problème, soit assez facilement, elles sont hébergées par la grande sœur divorcée, parce qu'il y en a un certain nombre, ça, je crois que ça. Le divorce est chose assez fréquente. Bon. Donc un campement, c'est des tentes avec des couples. Et aussi avec des femmes divorcées libres de leur tante. Bon. Des femmes entre deux mariages. Bon. Donc
donc le vieux, qui est un peu le chef du campement, on appelle Amrar Nariwan, il a autour de lui ses fils mariés. Ses fils pas encore mariés, ils sont peut-être un peu à l'écart, ils se débrouillent dans leur petite cabane. Et ses filles divorcées, qui sont revenues au campement avec leur tante, bon, et leurs enfants. Donc en fait, le mariage pour une femme, c'est l'installation dans une tente, l'acquisition d'une tente, mais aussi le départ vers un campement étranger. Un campement, je l'ai dit, qu'on comporte bon, la tente des hommes mariés et des filles divorcées. Bon. Et quand une femme se marie, donc elle acquiert une tente, mais elle quitte la tente de ses parents pour aller dans le campement de ses beaux-parents. Et c'est dans le campement des beaux-parents de la femme, oui, dans le campement des beaux-parents de la femme, qu'a lieu la cérémonie des épousailles. Ceci étant, dès que les vieilles du campement, dès que les vieilles de la belle famille de la femme, hein, de la famille du mari, dès qu'elles voient que la femme est enceinte, que la jeune mariée est enceinte, elle lui demande de revenir dans le campement de sa famille. Une femme, dès qu'elle est enceinte de ses premiers enfants, elle revient dans le campement de son père et de sa mère. Et c'est là qu'elle accouche. C'est-à-dire qu'une femme, certes, se marier l'a fait quitter son campement, mais ses premières grossesses, au moins la fin, et ses premières, les premières naissances, hein, ont lieu dans le campement de ses parents. Donc elle revient chez elle. Et elle ne se presse pas de revenir dans le campement de son mari. Hein, elle attend que le petit grandisse. Pour les enfants suivants, alors, bon, il n'y a pas de règles, hein, bon, dépend comment les époux sont entre eux, c'est bon, mais en général, les premiers enfants, deux ou trois premiers enfants, une femme vient les mettre au monde dans le campement de sa famille. Donc certes, une femme quitte son campement quand elle se marie, mais d'abord, elle le quitte avec sa tante, bon, mais elle le quitte un peu que sur la pointe des pieds. Puis avec le temps, malgré tout, bon, il y a, c'est acclimaté dans le campement de sa famille, qui de toute façon n'est pas une famille lointaine. C'est vrai que c'est souvent des cousins. Bon, c'est le plus généralement quelqu'un de la même tribu, c'est-à-dire un parent plus ou moins lointain. Bon, on n'est pas chez des étrangers. Bon. Et un mari ne peut pas refuser à sa femme de revenir, si sa femme en a envie, de revenir passer quelques temps avec sa tante. Donc, dans le campement de sa famille à elle. Des fois, elle ne revient pas. Et bon, et le mari doit comprendre. Le mari doit comprendre, on ne claque pas la porte, je veux dire, on ne dit pas, je m'en vais, je retourne chez ma mère, je veux dire, on dit, parce que je ne peux pas rentrer chez ma mère, le mari ne refuse pas. De toute façon, le mari, bien élevé, refuse rien à sa femme. Bon, puis bon. Donc le mari qui voit sa femme ne pas revenir, il envoie des émissaires, il envoie des cadeaux, mais des fois, il comprend qu'elle ne reviendra pas. Bon. Et qu'il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même, parce que ce n'est pas sans raison. C'est parce qu'il n'a pas été assez gentil, c'est que, etc. Bon, bon. Donc, il y a pas mal de divorces, et il y a pas mal de divorcés avec leur tante. Alors, il y a un mot en Touareg pour désigner ces femmes-là. Enfin, les femmes, le mot est traduit dans les dictionnaires parfois par célibataire, mais c'est célibataire ayant sa tante, Tamas Roit. Et le père de Foucault traduit ça par femme vivant dans la liberté de mœurs. Bon, ça c'est le père de Foucault. Mais Tamas Roit, c'est une femme qui est maîtresse de sa tante et qui, dans sa tante, fait ce qu'elle veut. Ce qui se passe dans sa tante à la nuit tombée, ça ne regarde qu'elle. Bon. Et, bon. Et de fait, oui, effectivement, les femmes, elles ont une femme divorcée, ont discrète, très discrète bien sûr, bon, et bon, et en tout cas ce sont probablement les individus les plus libres qui soient dans cette société, parce que bon, une jeune fille, bon, elle est quand même sous la coupe de ses parents, et puis bon, elle aspire à se marier, bon, et puis quand elle est mariée, bon, malgré tout, bah, elle est plus ou moins sous le coup d'un mari, même si, si elle a du caractère, elle fait un peu ce qu'elle veut. Mais même si la tante lui appartient, on dit cette tante a un maître, quand même, malgré tout. Bon. Pour un homme,
Ne pas être marié, c'est ne pas avoir de véritable existence sociale. Donc il faut qu'ils soient mariés. Et être marié, c'est avoir charge d'âme. Une femme divorcée, c'est-à-dire ayant une tante mais n'ayant pas de mari, elle est libre. Si elle a des biens, si elle a des troupeaux, c'est une femme effectivement très libre. Si elle est misérable, il faut qu'elle trouve vite un mari pour la nourrir. Oui, ça oui. Elle ne peut pas rester sans marier. Mais en tout cas, oui, je me souviens d'avoir, à l'époque, je n'avais pas bien compris, quelques Timesra, c'est le pluriel de Tamesrol, quelques femmes mariées, effectivement, c'était de fortes femmes qui, bon, et dont on savait que, pas nécessairement, ça voulait dire qu'elles avaient elles vivaient dans la liberté de mœurs, mais c'était des femmes libres. Ça fait un peu partie, enfin, ce statut particulier par rapport à la tante, le fait d'être maîtresse de la tante, c'est, je crois, un trait important de cette société. Ça m'a beaucoup plu de trouver ça et de regarder ça et d'en parler et d'écrire dessus.